connection established. Je suis le lieutenant Yoko Nguyen de la Division Alpha, chef d'escadron de défense aérienne de la base sur Elenar, 4e lune d'Epsilon Eridani 4. Les supercalculateurs avaient prédit une attaque surprise des Zétériens, une race extraterrestre dont nous n'avons jamais vu leur apparence physique. Nous étions donc au code alerte rouge. L'attaque avait bien eu lieu, comme l'avaient prédit les logisticiens. Nous avons décollé immédiatement avec nos vipères, tandis que le reste de la base se préparait à évacuer. Les forces ennemies étaient à armes égales et je me suis retrouvée la seule survivante de l'escadron, obligée de faire un atterrissage forcé. Le dernier survivant sétilien s'était éjecté. Je me suis empressée d'enfiler une combinaison spatiale militaire pour aller mettre un terme à son combat. Mon ennemi avait réussi à pénétrer dans la base et il n'avait conservé que son casque de combat. Je fus surprise de le voir si humain. Il a profité de mon inattention pour tirer sur un caisson au-dessus de moi pour le faire tomber sur ma tête. J'ai perdu connaissance. Mon assaillant a dû être aussi surpris que moi puisqu'au lieu de me tuer ou de me faire prisonnier, il s'était contenté d'enlever mon scaphandre de combat et de me toucher partout. J'en ai profité pour contre-attaquer, mais il a réussi à récupérer son arme. Au lieu de me tirer dessus, il me parla dans une langue inconnue qui m'a semblé proche de langue terrienne. J'ai compris à l'aide des gestes qu'il me demandait de quitter cet îlot pour aller vers un autre îlot de la mer. C'était un homme, même un bel homme. En tout cas, bien trop humain pour être extraterrestre. Je suis revenue le voir pour faire la paix avec lui. Nous avons même fait l'amour. Puis nous avons appris mutuellement que nous venons tous deux de la planète Terre. Oui, vous l'avez compris, c'était un officier de la division Beta, venant aussi de la Terre et non de Tocity. Nous avons donc découvert que la race extraterrestre que nous étions censés combattre n'avait jamais existé, que nous étions manipulés depuis le début par le nouveau gouvernement mondial. Nous pensons même que les plus puissants hommes ont volontairement inventé la menace extraterrestre pour prendre le pouvoir sur toutes les nations de la Terre. Cela fait des décennies que des hommes et des femmes meurent pour un ennemi qui n'existe même pas. Il faut que cela cesse. Si vous captez ce message, je vous en conjure, diffusez-le dans tout notre système solaire. Que le public sache la vérité, que cette guerre ridicule cesse.